ils ont été obligés de rouler quand même dans le final, mais c'est très satisfaisant pour Jolie. Vous avez l'habitude de venir en Martinique? Oui, j'ai déjà fait deux fois le tour de Martinique moi-même comme coureur et aujourd'hui je suis comme directeur sportif, donc c'est beaucoup plus facile. Mais bon, c'était une course que j'adorais, donc qui me convenait très bien aussi. Et les jeunes que vous avez, ils s'adaptent bien avec les côtes, hein? Oui, disons, j'ai mon fils qui est dans l'équipe qui se retrouve peut-être quatrième au général maintenant. Et oui, c'est le terrain, il passe pas partout, il va vite, il roule, il grimpe, donc très bien. J'ai un autre coureur d'expérience qui progresse de jour en jour. Et enfin, disons, il me reste trois coureurs parce que j'en ai perdu deux quand même sur l'accident mécanique. Et malheureusement. Mais bon, avec trois coureurs, je pense que toutes les équipes commencent à perdre des coureurs. Donc ça s'équilibre aussi. Vous avez dit qu'il augmente chaque jour. Et donc il finira par arriver premier. Oh, premier, je ne sais pas. Parce que bon, bah, il n'a pas de vélo de chrono. Donc ça sera un handicap pour samedi. Mais bon, faut être très patient ici. Faut pas prendre le maillot trop vite et faut savoir être patient. Eh bien, on est très content de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui sur cette étape. Alors, on vous souhaite que de bonnes choses. Andy et Félix Martinique, vous souhaite de passer. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Merci.